Salut les bosseurs, c'est SD, ton fournisseur de performance. Aujourd'hui, on a une journée remplie de coaching. On va y avoir de tout, des petits, des grands, des footballeurs. Il y aura aussi un basketteur. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage à tous. Alors, c'est parti. Comment ça a été l'entraînement? Bien. Vous avez fait quoi? On a fait des gestes techniques, on a fait des tirs. Ouais. C'était bien. On a fait des passes aussi. Ouais. On devait lever notre tête. La tête, ok. Expliquez-moi, présentez-vous un peu. Tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Irène. T'as quel âge? J'ai 10 ans. Tu joues où? À Saint-Tron. Moi, je m'appelle Ensa, j'ai 10 ans et je joue à Saint-Tron. Je m'appelle Sivan, j'ai 10 ans et je joue à Bichitech. Où? Bichitech. Ouais. Et maintenant, il va venir, il a déménagé en Belgique. Ouais. Et on verra où il va aller. On verra. À Monaco. Pourquoi pas? Tu veux jouer où plus tard? Liverpool. Liverpool? Toi, Ensa? Real. Real et toi? Real. Ok. Faut pas trop rêver. Hein. Faut pas trop rêver, mais avec l'entraînement. Inch'Allah. Voilà. Avec l'entraînement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ça s'améliore et. Comment ça s'améliore? Elle like et téléphone. Elle like et téléphone. Allez, c'est ça. Voilà, on est arrivé aux escaliers de Buret. Salut les gars. Ça va? En forme? Ouais. Ça va? Vous êtes prêts pour vous entraîner? Ouais. Ouais? Ouais. Allez, c'est parti, on va prendre le matériel. Comment ça a été? Bien? Pas trop déjà. Ah, ça va. Et toi? Super? Ouais? Ok. Là. Ouais. Corde à sauter, etc. Le ballon, c'était bien. L'explosivité. L'explosivité, hein? Hein, Julian? Ouais. Ouais. T'aimes bien, t'as l'explosivité? J'adore. Ok. En plus, on a un bel endroit. Hein. Les escaliers. Parfait, super. Je suis content de vous aussi. Est-ce que tu peux nous montrer une citation du livre qui est intéressante que tu m'as lu juste avant? De voilà, une de Hannibal. Ouais. Plus souvent un moyen, plus nous en amontons un. Ça va? Enfant? Ouais. Tu peux te présenter à ceux qui nous regardent? Comment ça fait? Hicham? Je m'appelle Hicham, 20 ans. Ouais. Bientôt joueur pro. Ouais. Dans 2 ans. En Espagne cet été. Real Saragosse. Ouais. C'était bien, ouais. Ça a été? C'est un peu pro et tout, ouais. J'ai kiffé vraiment. Ouais. Bah, je compte revenir, pourquoi pas. Enfant. Très bien. C'était trop bien la séance, j'ai kiffé franchement. Ouais. Au début ça paraît facile et tout, on touche un peu la balle et tout, mais dès que ça commence à être physique, bah là c'est chaud. Hein. Bah, merci beaucoup à Céline. C'est super bien d'entraîner. Moi aussi. Vraiment un gars avec une très très bonne mentalité. Voilà, il n'arrête pas de me demander de s'entraîner. Mais ouais. Moi je kiffe plus ballon et tout, ouais. Et du coup ouais. Je demande des kiffs pour travailler sur le terrain pour appliquer ça aux entraînements au match ici. Ouais. Très bien, suivez-le aussi. Je vais mettre ce petit Instagram, etc. Comme ça, pour aller le suivre. Parce qu'il est aussi actif sur les réseaux. Donc voilà. Regardez, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je viens ici, je trouve des enfants. Regardez comment ils s'entraînent. Ça va, les gars? Vous faites quoi là? Je fais une vidéo là. SD Training, c'est la base! C'est quoi SD Training? C'est la base! Pouce bleu! Appuyez les pouces bleus! Ouais, bien vu! Vas-y, enchaîne! C'est bien! Et tu finis après, hein. Tu marques dans le goal après, pas avec le main! Vas-y, continue! Bien joué! Regarde-moi! Bien joué! Il fait quand même. Il a quoi? La main brûlée. Et il s'entraîne quand même. Ça, c'est bien. Bien joué. Voilà, je suis avec la nouvelle recrue du Standard, Louis Hazard, le cousin de Benazar.
Ça va? Louis Hazard, joueur de basket à Liège Basket. Ouais. Je m'entraîne avec SD. Ouais. On a fait quoi aujourd'hui? On s'est entraîné sur le dribble. Ouais. On a testé quoi? Un nouvel outil. Outil secret, on va pas trop en dire là-dessus. Non, on peut pas. T'as pas kiffé? Ouais, j'ai kiffé. C'est lourd. Lourd, lourd. Continue comme ça. Je vais mettre aussi. Je vais mettre la vidéo parce qu'hier j'ai été voir son match. Il a battu les premiers de la Belgique. Ouais, ils sont premiers au classement, mais il les a battus hier. Il a fait un tout gros match. Très bonne mentalité, retenez bien son nom, allez le suivre, Instagram et tout, je vais le mettre ça en description et dans la vidéo. Suivez. Allô. 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 Bon, clairement, frérot, j'ai fait mes études en T1. Je vais te remercier parce que c'est aussi en particulier aussi grâce à toi. Ouais. C'est le début, c'est le début. Je suis content. J'imagine la sensation que tu dois avoir, c'est un truc de fou. Laisse tomber, c'est choquant. Là, c'était de... On est parti, frérot. Voilà. Là, on est parti, on ne doit plus lâcher. La dynamique qu'on a là, on va encore la multiplier. Jour en jour, il faudra toujours additionner tout ça. Et... Quoi, Lorenzo, comment t'as senti ça, toi, de l'extérieur? T'étais content. Content, franchement. Comme j'ai fait. Même maintenant, tu peux mettre une photo et dire ah, le travail, ça paye. Première minute d'apparition, félicitations, tu devrais. T'inquiète, là, je suis en train de filmer, t'as pas remarqué. Depuis tantôt, je filme avec la GoPro sur le côté, mais même avant que les premiers appels que tu m'as fait, parce que j'attendais que tu me dises. En fait, j'ai fait un vlog, tu vois, aujourd'hui. Et comme par hasard, en rentrant tantôt et tout, j'ai regardé, j'ai vu que t'avais joué. Je me suis dit, punaise, je vais attendre que soit il m'envoie un message qui m'appelle et je vais mettre le moment, comme ça je vais mettre dans la vidéo première minute de Samy. Et voilà. Venez les bosseurs, n'oubliez pas que le travail, ça paye tous les jours, on travaille et ça paye, les gars. Allez, bonne nuit à tous. Allez, bonne nuit à tous, on termine là-dessus.
Mmh.